trois frères, suivis de trois sœurs, ont été envoyés en 1976 en Terre Sainte pour fonder une communauté bénédictine olivétaine. À l'origine de cet élan, le père abbé Paul Gramont, fondateur de l'abbaye du Bec-et-Loin en Normandie. Il explique à l'époque la remontée des contentieux qui ont déchiré l'Église en confessions séparées va jusqu'à la première déchirure entre la synagogue et l'Église naissante. Il s'agit pour la communauté bénédictine d'être humblement à l'écoute de cette terre sainte. Vivre ainsi dans une fervente prière de veilleurs ne va pas sans une connaissance cordiale du milieu où il se trouve et comme une familiarité avec lui. Il ne s'agit pas de judaïser, mais de reconnaître la pierre dont nous avons été taillés et de donner à nos frères juifs le témoignage d'une vie vraie, pénétrée d'une belle prière dont ils nous ont donné les poèmes, spécialement dans les psaumes. Alors parfois ils me posent la question, mais les psaumes, enfin, vous avez aussi des psaumes dans le Nouveau Testament? J'ai non. Vos psaumes et nos psaumes. Ah bon? Ils me disent, mais vous les avez changés? J'ai dit non. Et je leur chante un psaume en hébreu. Là, ils me regardent, ils me disent, mais attends, c'est la même chose. Ben, je dis, ça fait une demi-heure que j'essaye de vous expliquer que c'est la même chose. Et ils découvrent, que ça leur plaise ou non, que ça nous plaise ou non, c'est un fait. Nous avons un lien particulier avec le judaïsme qu'on n'a pas avec d'autres religions. Cheminer vers l'unité de l'Église impose un travail autour des racines juives qui sont communes à tous les chrétiens. C'est l'oubli de cette origine et la disparition du judéo-christianisme qui a favorisé les divisions. Être à l'écoute commence par se taire. Ne pas prétendre tout comprendre, ni tout savoir, ni apporter des solutions toutes faites. C'est pour cela que nous essayons de ne pas nous impliquer dans la politique, de ne pas prendre parti, de ne pas jeter de l'huile sur le feu. C'est l'humble écoute qui conduit à la connaissance cordiale de l'autre. D'un côté, cela passe dans l'accueil, qui fait partie intégrante de la vie bénédictine. De l'autre côté, nos sorties communautaires nous font aller à la rencontre des lieux et des personnes qui nous partagent leurs expériences et leurs points de vue. La lecture cursive de l'Ancien Testament nous rapproche de la manière dont la Torah est lue à la synagogue. À l'occasion des fêtes juives, nous prions particulièrement en communion avec le peuple juif. À travers une session annuelle en France, nous contribuons à la recherche d'une lecture commune de la Bible suivant la tradition chrétienne et juive. Aujourd'hui, une communauté de 8 frères et 12 sœurs essaye de demeurer fidèle à cette vocation et de l'approfondir sans cesse. Il y a un élément extrêmement important dans l'identité de notre communauté, c'est le fait que nous sommes une communauté mixte, si je puis dire, c'est-à-dire une communauté d'hommes et de femmes, avec deux monastères séparés, mais avec le fait que nous chantons ensemble la louange de Dieu. Et ça, c'est un élément identitaire extrêmement important, dans la mesure où, par rapport à l'anthropologie biblique, c'est hommes et femmes que nous sommes à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Cela se concrétise par une liturgie commune 3 fois par jour et des rencontres fraternelles. C'est grâce à Sainte Françoise Romaine que cela est possible.
Sa vie d'oblate à Rome, du monastère olivetain de Santa Maria Nuova, a inspiré Mère Élisabeth de Wavrechain dans sa propre recherche d'une vie monastique non exclusivement féminine. Son pèlerinage à Rome et par la suite sa rencontre avec Don Maréchaux furent déterminants. À l'Épiphanie 1944 s'est nouée une alliance par une charte entre les deux monastères, à l'exemple de Sainte Françoise et de Don Hippolyte. Non comme un lien formel, juridique, mais spirituel, dans un don mutuel fraternel de nos communautés propres. Le fruit de cette alliance se réalise en la reprise de l'abbaye du Bec-et-Loing par les frères et à proximité la construction du monastère Sainte-Françoise romaine pour les sœurs. En 1922, Mère Élisabeth fait un pèlerinage à Jérusalem. Elle est alors profondément affectée par les divisions régnant entre les différentes églises au Saint-Sépulcre. Désormais, la préoccupation de l'unité de l'Église est au centre de sa vie. Et elle aura toujours à cœur de transmettre cet élan à sa communauté. Le père abbé Paul Gramont éprouvait une tendresse pour la terre et le peuple de nos racines spirituelles. Il disait souvent en communauté « Mes frères, n'oublions pas de regarder vers ce rocher dont nous avons été taillés. » C'est exactement dans cet esprit que se situe la fondation d'Abou Gosh. L'un des pères fondateurs, Jean-Baptiste Gourion, lui-même juif devenu chrétien, a reçu la responsabilité de la communauté catholique hébréophone d'Israël jusqu'à devenir leur évêque en 2003. En 2013, à l'initiative de Richard Prasquier, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF, fut érigé un mémorial cardinal Lustiger dans notre jardin en raison de son énorme contribution à la réconciliation entre juifs et chrétiens. En effet, dès 1976, le père Lustiger, lui aussi d'origine juive, alors curé à Paris, a été l'un des premiers à encourager la nouvelle fondation et a toujours manifesté sympathie et soutien envers notre communauté. L'eau, source de vie. Un point d'eau entre Jaffa et Jérusalem. Route sur laquelle se trouvait probablement dans l'Antiquité un village nommé Emmaüs. Lieu stratégique, qui au moment de la guerre de 70, destruction du temple par les Romains, devient un poste militaire qui a pour mission de contrôler cette route. Une des divisions de la 10e Légion romaine stationne à cet endroit et construit un bassin destiné à collecter l'eau de la source. C'est la crypte actuelle. Plus tard, un caravansérail arabe accueille les gens de passage jusqu'à l'arrivée des croisés. Ceux-ci transforment le bassin en crypte et y érigent une église romane conservée intacte aujourd'hui, car ils pensaient que c'était le lieu d'Emmaüs. Au départ des croisés, à la fin du XIIe siècle, l'église est abandonnée. Elle sera délaissée durant 700 ans. En 1873, le marquis de Vogüé, ambassadeur français auprès de l'Empire ottoman, réussit à obtenir la propriété de l'église pour l'État français. En pleine période anticléricale en France, paradoxalement, l'État français place une communauté bénédictine sur les lieux, principalement de Belloc, qui construit le monastère adossé à l'église. Une figure marquante de cette communauté fut le père Alexandre. Il a laissé un grand souvenir dans le village par sa disponibilité et son rôle de médiateur dans la guerre de 1948.
Abouna Skandar a su parler à tous, juifs, musulmans et chrétiens, avec son cœur. C'était un homme bon. Il a quitté Abou Ghosh en 1954. Après une présence lazariste entre 1959 et 1974 et quelques travaux de restauration de l'église par un père dominicain, la vie bénédictine reprend à l'arrivée de trois frères du Bec, frère Jean-Baptiste, frère Charles et frère Alain en mai 1976, suivi un an plus tard de frère Olivier et des sœurs, sœur Ignace Marie, sœur Marie-Henri et sœur Marie-Joseph. Aujourd'hui, beaucoup d'Israéliens aiment se rendre à Abou Ghosh le jour du Shabbat. Ils apprécient manger dans les restaurants arabes et certains viennent visiter notre église romane et notre magnifique jardin. Cela donne au village une relative ouverture envers Israël. Notre relation avec le village se passe normalement. Comme tout voisinage, il peut y avoir des hauts et des bas, mais nous sommes plutôt en harmonie avec les habitants. Bon, alors ça fait 38 ans que nous l'entendons, alors on s'est un peu fait. Ça demeure quelque chose d'agressif, quand même. Alors ça dépend des jours, parce qu'il y a des fois des moments où le muezzin baisse un peu, mais là, ce soir, ce midi, il est plutôt fort. Voilà. C'est le Moyen-Orient, non? Ça a été une chance qu'on soit dans un milieu musulman. Ça nous a permis d'être peut-être plus universel, enfin, c'est-à-dire de moins s'enfermer sur une problématique. Mais reste le nœud principal de notre présence ici, relation cordiale avec le monde juif dans son histoire du passé, présent et à venir. Les pèlerins découvrent, nichés dans les collines de Judée, le lieu biblique de Kiryat Yarim, village de la forêt, d'où David a conduit l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Et à proximité, l'Emmaüs du Nouveau Testament, illustré par les fresques de l'Église datant du XIIe siècle. Elles font de notre Église un témoin pour l'unité de l'Église. L'ordre latin des Hospitaliers de Saint-Jean, aujourd'hui ordre de Malte, a choisi de décorer l'édifice avec des fresques icônes de la tradition byzantine orientale. L'évangile d'Emmaüs étant un des évangiles pascals, tout tourne autour de la mort et de la résurrection. La crucifixion, côté sud, la dormition de Marie, côté nord, l'anastasis dans l'abside centrale, la déisis évoquant le jugement dernier dans l'abside nord, et enfin l'entrée au paradis dans le sein des trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, dans l'abside sud. Notre aventure monastique part de saint Benoît. Au VIe siècle, il écrit la règle qui encore aujourd'hui détermine notre vie. Il est à l'origine de l'ordre bénédictin. Au XIVe siècle, surgit une nouvelle branche bénédictine, la congrégation olivétaine. Sa maison mère se situe en Toscane, à Monte Oliveto, près de Sienne. Saint Bernard Tolomei, le fondateur, s'y installe avec quelques compagnons. La ferveur de cette nouvelle communauté attire de nombreux disciples et procure un rapide essor à la congrégation.
Le monastère olivetain à Rome de Santa Maria Nova abrite la communauté à laquelle Sainte Françoise unit sa propre communauté par son oblation le 15 août 1425. Au XIXe siècle, la congrégation exclusivement italienne est obligée de fonder hors d'Italie, notamment en France, pour survivre en raison d'une politique anticléricale. Le père Emmanuel André et Don Bernard Maréchaux, au monastère de Ménil-Saint-Loup, sont les figures marquantes qui ont permis à continuer l'histoire olivetaine. Dans l'entre-deux-guerres, frère Paul rentre à Ménil-Saint-Loup très jeune. Il sera le père abbé Paul Gramont qui reprendra l'abbaye du Bec-et-Loin en 1948 et qui enverra les trois premiers frères à Abou Gosh en 1976. Notre vie monastique est rythmée autour de quatre pôles essentiels que sont la prière, la vie fraternelle, le travail et l'accueil. Trois fois par jour, frères et sœurs se retrouvent à l'église pour célébrer ensemble la liturgie des laudes, de la messe et des vêpres. Les trois autres offices de matine, nonne et complie sont célébrés par chaque communauté séparément. Les langues utilisées dans la liturgie sont le français, le latin, grégorien, et l'hébreu. Avec la liturgie, la Lectio Divina, méditation nutritive de la parole de Dieu au cœur de la vie du moine, structure la vie de prière quotidienne. Nos deux communautés sont petites et cela nous permet d'être proches les uns des autres, de nous connaître, de nous aider mutuellement. Nos sorties communautaires, ainsi que des conférences, rencontres, enseignements, contribuent aussi fortement à cette vie fraternelle. Les sœurs ont un atelier de ciergerie et réalisent également des cartes artistiques, des icônes et des travaux de couture. De leur côté, les frères produisent de la céramique, des liqueurs et des posters de la Terre Sainte. Ensemble, nous avons enregistré plusieurs disques de nos chants liturgiques. Tous ces produits sont vendus dans le magasin qui se trouve dans l'enceinte du monastère. Nous avons fait le choix de ne pas avoir d'employés, c'est pourquoi tout le travail ménager fait partie aussi de notre quotidien. Cuisine, buanderie, ménage, jardinage, etc. Chaque communauté est autonome dans ses domaines. Une multitude de rencontres fait partie de la vie à Abou Gosh. Il y a les habitants musulmans du village et les visiteurs juifs en sortie de Shabbat. Il y a les groupes de pèlerins du monde entier et les groupes de soldats israéliens venant au monastère dans le cadre de leur service militaire. Religieuses et religieuses, ainsi que des volontaires, profitent du cadre pour des retraites et quelques expatriés et diplomates participent à la liturgie du dimanche. Familles, amis et pèlerins prennent logis dans l'hôtellerie et des amis israéliens ou palestiniens passent nous voir. Les liens avec les autres communautés religieuses du pays, avec l'église locale de Jérusalem et avec les autres confessions chrétiennes ont leur place respective au cours de l'année. Tout ce réseau multiforme nous donne part à beaucoup d'histoires personnelles avec leurs espérances,
leurs accomplissements, mais aussi leurs déceptions, les tensions et conflits à l'intérieur des sociétés israéliennes et palestiniennes, où une multitude de petits mondes vit en parallèle, souvent sans possibilité de rencontre entre eux. Acceptation de la différence. Cela commence par un intérêt sincère pour comprendre l'autre dans ce qui peut parfois nous heurter au plus profond de nous-mêmes. À travers le respect, cette démarche devrait aboutir à l'amour de l'autre dans sa différence. Notre rôle est tout simplement d'accueillir et écouter chacun tel que nous sommes. Même si nous avons conscience de ne pas y être pour grand-chose, beaucoup y trouvent un havre de paix et passent un moment de sérénité et de ressourcement.